Suivez Je tiens ma terre sur France 3 avec les chambres d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes et Auvergne-Rhône-Alpes gourmand. Je fais exactement comme mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, c'est-à-dire que j'applique un cycle vertueux à mon métier d'éleveur de porc, mais à une échelle plus importante. Les cochons nourrissent la terre nourrit les cochons et les cochons nourrissent les hommes. Ce cycle vertueux nécessite la production de céréales sur nos terres. Nous épandons nos effluents d'élevage, nous semons et nous récoltons ces dites céréales. En plus de ce cycle, nous utilisons également des rebuts de fabrication de la viennoiserie pour nourrir nos animaux. C'est le pain mal cuit, pas assez cuit, trop cuit, etc. Nous avons l'usine qui est à proximité, à une dizaine de kilomètres de la ferme, et le petit lait, lui, vient de Savoie, environ 80 kilomètres. J'exploite une ferme à Vernat dans l'Isère. Je m'appelle Pascal à la Bouvette. Je suis la sixième génération d'éleveur de porc dans la famille à la Bouvette. C'était Je tiens ma terre sur France 3 avec les chambres d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes et Auvergne-Rhône-Alpes gourmand.